yeah. Oh no 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 no. Yeah. Yeah. Coucou la famille, comment vous allez? Moi je vais super 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 bien. Comme d'hab, j'espère que vous allez bien aussi. Alors les amis, bienvenue encore dans ma nouvelle vidéo dont je vous montre un peu comment ça se passe, ma journée chargée. Donc les amis, ne bougez pas, restez là jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment une journée chargée d'une mère au foyer. Donc c'est ça. Alors, si tu es ici pour la première fois, moi c'est Sarah, la maman de garçon. Bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager et surtout de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Donc là les amis, il est 7h15. Comme tous les matins, les enfants, quand ils se réveillent, ils brossent les dents, ils prennent la douche. Ensuite, ils prennent leur petit-déj. Donc là, ils prennent leur petit-déj. Ensuite, ils vont prendre l'autobus pour l'école. Là, mon bébé était déjà réveillé aussi. J'en profite aussi pour lui donner son petit-déj aussi. Donc, pendant qu'ils finissaient leur céréale, moi, j'en profitais pour faire les dîners. Donc, leur dîner, en fait, pour emporter à l'école. Donc, au menu, c'était hot dog. Donc, c'est ça. Donc moi je faisais leur dîner et mon grand garçon faisait leur collation. Alors, dans le hot dog de mon grand garçon, je mets juste le ketchup et de la moutarde. Celui de mon deuxième garçon, je mets juste la margarine parce que lui, il n'aime pas le ketchup, il n'aime pas la moutarde, il n'aime pas non plus de la mayo. Et pour finir, pour mon troisième garçon, je mets juste le ketchup. Donc là maintenant les amis, ils vont partir, c'est le départ pour l'école, ils se préparent là, mettent leur manteau. Ah, il fait froid aujourd'hui. Donc les garçons se préparent pour l'école, l'autobus arrive bientôt. Après ça, moi je dois faire les vêtements, vous voyez, le bac là-bas, donc je dois faire les vêtements. Donc après ça, je dois sortir. Maman. Oui. Tu peux aller chercher mon capuchon. Yaya, Yaya, tu peux l'aider s'il te plaît. Aujourd'hui c'est une grosse journée, donc je vous embarque avec moi. Tout à faire aujourd'hui vraiment là. Je suis déjà fatiguée là. Il est genre, il est juste 8h15. Je suis déjà fatiguée. T'as trouvé? Donc, restez avec moi. Les amis, bonne journée. On est à l'autobus. Donc là, les amis, les garçons sont partis. Je suis restée avec mon bébé. Je vais juste essayer de le nettoyer vite fait là. Parce que j'ai rendez-vous avec lui.
pour son vaccin. Donc, bravo bébé. Bravo papa. Un, deux, trois. Oh, bravo, bravo. Bravo, bravo bébé. Donc là maintenant, je vais juste nettoyer la cuisine vite fait. Mais j'avais déjà fait mon petit ménage du soir hier. Donc je vais juste nettoyer ce que j'ai utilisé ce matin. Puis le bol des petits déjeuners de mes enfants. Puis là après ça, je vais partir avec lui à son rendez-vous. J'ai son vaccin de 18 mois. Donc, là, je débarrasse vite fait. Je vais nettoyer aussi. Ensuite, je dois partir, sinon je serai en retard. Donc, avant de sortir, si j'ai du temps, je nettoie quand même la maison vite fait, hein, parce que je n'aime pas ça à mon retour, trouver la maison sale. Ça me décourage en fait. Donc, j'avais quand même un peu de temps devant moi. C'est pour ça que j'ai passé ma petite serviette vite fait. Puis, c'est tout. A few moments later. Oui, vas-y, prends ton jouet. Bon, ok, on y va. Tu viens, tu vas tomber. Tu vas tomber, bébé. Est-ce que tu veux tomber? C'est parti. Mon bébé va se faire piquer. J'aime pas ces moments-là. Le moment où mes enfants se font piquer, je n'aime pas ça. Non, non, pas du tout. Donc, oh là là. J'espère qu'il va pas pleurer aujourd'hui. Donc là, j'ai fini avec lui. Boubou, ça va? Il a un peu pleuré, hein? C'est sûr que ça faisait mal là. J'avais mal au cœur pour mon bébé. Donc là maintenant, je m'en vais à la maison, je vais faire la lessive. Donc les amis, aujourd'hui, vous allez voir ma journée chargée, hein? Ce que ça donne. Ouf. Faut juste être organisé. Ok les mamans? Avec les enfants, si tu n'es pas organisé, ce n'est pas bon d'être. Il faut être vraiment organisé. Je vous encourage, les mamans, ce n'est pas facile. Des fois, on est fatigué. Des fois, on a juste envie de dormir toute la journée, de ne rien faire. Mais on n'a pas le chotouana bana. Hein? Il faut bon sandaku, il faut qu'on lamba, il faut qu'on sale la lessive. Sosa va rendez-vous, ok, il va rendez-vous comme moi aujourd'hui, mais en même temps à la maison j'ai d'autres choses à faire aussi, je dois faire dès que j'arrive à la maison. Donc j'avais déjà planifié ma journée, ce que je devais faire aujourd'hui. Donc après les rendez-vous, c'est la lessive, c'est ça. Après, la journée continue jusqu'à ce que mes garçons vont retourner dès l'école. Ça va continuer encore jusqu'à ce qu'ils vont dormir. C'est là que je veux me reposer un peu. A few moments later. Donc là, je suis arrivée à la maison. J'ai mis mon bébé au lit. Il faisait sa sieste. Puis là, maintenant, je suis descendue au sous-sol pour faire la lessive. Donc là, je mets le premier tour d'abord.
Tout d'abord, avant de mettre les vêtements et les savons, je mets d'abord mon Downy rehausseur de parfum à lessive. Donc, ça laisse une bonne odeur après le lavage. Donc là, mon bébé qui dormait toujours, après le lavage, j'ai profité pour plier directement les vêtements. Donc là, j'avais trois paniers de vêtements à plier. Je faisais tellement vite là, hein, vu que mon bébé dormait, je voulais pas qu'il me dérange en fait. Donc là, j'ai fini. Ouh, il dormait toujours. Donc, je vais les mettre dans les paniers. Ensuite, je vais les ranger dans les chambres. A few moments later. Il vient de se réveiller, il n'est pas content, il a faim. Oh là là. C'est du riz avec les fondus et la sauce de poulet dur. Donc il aime ça, hein? Il aime trop ça. Mon petit bébé, it's yummy, it's yummy, it's yummy. Donc là, j'ai commencé à chanter avec lui sa chanson préférée. Donc, juste pour qu'il puisse bien manger, hein. Oh my God. Parce qu'il commence à bouder un peu là, juste pour les distraire. Donc, après le repas, je lui donne le dessert. Donc, c'est la salade de fruits. Thank you.
A few moments later. Allô? Et mes amours sont là. Josh, Didan, c'est qui est là? C'est qui est là? C'est qui est là? Hello, les amis. Jaden, toi tu l'as pas les mains à la maison. Avant qu'il te touche, tu dois laver les mains. Le tour, ils vont prendre juste un petit goûter avant le souper. Ouais, prenez avec du lait. Donc, pendant qu'ils sont à la maison, jusqu'au moment du souper, ce n'est pas long en fait. C'est pour ça que je lui donne un petit goûter. Alors, après les petits goûters, chacun fait ses affaires, hein. Donc, il y a d'autres qui jouaient, il y a d'autres qui regardaient la télé. Il y a le restant de la nourriture d'hier, donc la viande, ils vont le manger avec les plantains. Ils aiment ça, donc ils vont les manger avec la viande que j'ai faite hier. Donc hier j'avais fait la bouffe de la semaine, donc pas de problème là-dessus. Donc là ils vont juste manger la viande avec les plantains. Ils aiment ça, donc c'est ça. C'est toujours mieux, les amis, de faire la bouffe pour la semaine. Là vous ne serez pas stressé, vous serez tranquille. De ce côté-là, en fait. Moi, j'adore ça. Ça me permet de faire autre chose. Parce que quand elle a bouffe dans le frigidaire, tout le monde est content. Même si mon mari revient à midi pour le dîner, au moins, il y a quelque chose à manger. Non, c'est pas encore chaud, on va attendre un peu.
Donc, je vais faire le fou maintenant. Pour moi et mon grand, pour moi, il travaille. Donc, quand il va revenir, je vais faire son fou à lui. Alors, le mot d'homme, c'est marrant à moi. Hein? Mon fou à côté. Nampiole. Attends. C'est déjà préparé, hein? Donc vous avez fait un peu de foufou, ça fait du bien. Joshua, tu veux foufou aussi? Fais moi ton doigt d'abord. Il n'y a pas de foufou. Parce que je n'ai pas de plus. Il n'y a pas de foufou. Il n'y a pas de foufou. Des fois, les foufous, ça fait du bien. Je ne les mange pas souvent, mais bon, quand je les mange, là, c'est trop bon, ouais. Eh, foufou, Nzambalo, là, Na domo, domo. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On va se servir, ok? À tout à l'heure. Donc là, moi, je vais manger le dongo dongo. Dongo dongo avec les poissons. Avec les lutins. On prie les amis. On va prier. Alors les amis, j'aime beaucoup ces moments que je passe avec mes enfants autour d'un bon repas comme ça là. Donc là, on mange, on parle de tout et de rien. Ils me racontent ce qui s'est passé à l'école, les histoires. Donc on rit. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. A few moments later. Donc là maintenant, on a fini de manger, on a débarrassé. Là, il y a mon grand garçon qui m'aide à ranger les assiettes que j'avais lavées. Ensuite, moi, je vais laver ce qu'on a utilisé pour les soupers. Donc, moi, j'ai profité pour préparer les autres pour les dodos. Donc, ils prenaient la douche, brossaient leurs dents aussi. Donc les amis, moi j'apprends à mes enfants à faire des petites tâches à la maison, c'est très important. Donc là, mon Joshua qui a fini de se préparer, il est venu aider son frère aussi. Donc, j'ai fini de préparer les enfants. Donc là, maintenant, je vais nettoyer la table. Ils vont faire leurs devoirs. Ils vont étudier. Après ça, ça va être directement les dodos. Donc, les amis, ma routine du soir, ça change de fois. Hein. Quand je suis vraiment occupée, ça peut changer. Mais quand je ne suis pas occupée, ça reste vraiment pareil.
Alors là, c'est parti pour les devoirs et la révision des matières. Et il y a mon Joshua qui n'a pas de devoirs. Il est à la maternelle. Donc, il lit juste un livre que j'avais acheté à Costco. C'est un livre des mots et des chiffres. Et il y a mon bébé qui était juste là à côté, qui n'arrêtait pas de déranger. Il ne voulait pas rester sur sa chaise. Donc, oh my God, il voulait juste que je le porte en fait. Puis là, quand je le portais, il ne voulait pas rester tranquille. Il voulait monter sur la table. Il voulait prendre les livres de son frère. Il voulait tout toucher en fait. Oh my. Au final, je lui ai donné un livre aussi pour qu'il puisse rester calme. Donc là, ils ont fini. J'ai demandé aux garçons de ramasser les jouets. Ensuite, moi, je vais faire les ménages. Donc là, il est 7h presque et demi là. Donc là, c'est leur moment de dormir. Donc les amours vont monter pour dormir. Donc demain, c'est l'école. Ils doivent dormir tôt pour être en forme demain. Donc là, je monte avec eux. On va prier ensemble pour les dodos. Ensuite, moi, je vais prendre une bonne douche. Et je vais mettre les pyjamas directement. Ensuite, je vais redescendre en bas pour faire le ménage du soir. A few moments later. Alors, pendant que je mettais les enfants au lit, mon mari était déjà de retour de son travail. Je lui ai donné à manger. Là, maintenant, j'ai fait la vaisselle. Ensuite, je vais nettoyer. Donc, pour nettoyer ma cuisinière, j'utilise du Vim. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude. Ça nettoie très bien aussi. Alors les amis, à ce qui concerne mes journées chargées, ça n'arrive pas tous les jours. Donc j'essaye vraiment d'organiser mes jours hein, pour que ça ne soit pas tous les jours comme ça. Mais il y a des jours aussi que c'est vraiment plus chargé que ces jours. Donc j'ai fait vraiment de mon mieux pour ne pas être débordée en fait. Donc les amis, malgré la fatigue, j'aime toujours laisser la maison propre la nuit. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, le matin, au moins quand je vais me réveiller, en trouvant la maison propre, ça me fait du bien en fait.
Donc là, voilà les amis à quoi ressemble ma journée chargée d'une mère au foyer avec 4 enfants. Donc c'est pas tous les jours facile, mais avec la grâce de Dieu, ça va. Donc là, je vais me relaxer un peu avec ma tasse de thé rouge. Donc je vais regarder la télé. Je vais discuter avec mon mari qui était au travail. Donc après ça, je vais faire les montages des vidéos que j'avais fait avant. Donc c'est ça. Donc là les amis, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager aussi. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et restez toujours connectés dans la chaîne des mamans de garçons. Je vous envoie des gros bisous. Bye. Que Dieu vous garde.